Bonjour, chère Lily et Eugénie. Andréane du Moins Espace Yoga. Ce matin, le magnifique soleil qui brillait bien au-dessus de nos têtes m'a inspiré une pratique à thématique ouverture de cœur et de poitrine. Ce sera un cours en lenteur, donc un peu moins un flow rythmé, afin d'aller vraiment chercher ce que j'aime appeler le jus, la viande, donc les bénéfices de chacun des asanas. Notre but aujourd'hui est de prendre le temps de se déposer dans les postures, d'assurer notre connexion, notre union corps-souffle-esprit et de laisser notre cœur, Anahata Chakra, notre poitrine, briller librement vers le soleil. Sur ce, débutons notre pratique. Je t'invite à te coucher au sol. Si tu as sous la main un petit bloc, de le positionner dans le haut de ton tapis. Je pourrais également utiliser une couverture ou une serviette repliée. Le but étant de venir soulever, à l'aide de cet accessoire, ma poitrine. Donc, je me positionne couché au sol et je place mon accessoire dans le haut de mon dos. Je connecte mes fessiers, ma tête, le dessus de mes mains. Et je laisse mon corps se positionner naturellement. Le dessus de ma tête, dessus de mes mains, fessiers, jambes, talons se fondent dans la terre. Je laisse mon corps relâcher toute forme de tension. Je puise dans ma respiration complète. Laisse-toi aller dans cette posture couchée au sol. Viens faire le vide. Établir une connexion corps-souffle-esprit. Doucement, bouge les orteils comme si tu avais un petit fourmillement dans les pieds et les doigts. Ton corps s'éveille peu à peu au rythme de ta respiration dirgha, ta respiration complète. Laisse tes chevilles, poignets initier le mouvement. Soulève tes coups, bascule un peu plus de poids sur tes coudes pour venir peu à peu t'asseoir en posture Sukhasana. Posture indienne. Fondation de ta posture. Fessiers. Poignets-genoux. Tronc long. Poitrine qui brille à l'avant de la pièce. Viens relâcher tension à ton cou. Et à la mâchoire. On peut même grimacer ici, ouvrir notre bouche pour venir relâcher mâchoire, les muscles du visage. Te connecter dans ton Sukhasana, dans ton cycle respiratoire profond. Complet. Amène les mains devant toi, paume l'une en face de l'autre. Ici, tu inspires, ouvre ta poitrine, tes épaules, tes bras. Expire, amène les mains jointes à l'avant.
Inspire haut. Expire. Dans un mouvement de vague. Une grande respiration. Reviens au centre. Soulève bras, inspire. Expire en torsion latérale. Tronc s'allonge. Nombril colonne. Tes épaules sont basses. Inspire, soulève. Expire, torsion latérale. Inspire, soulève. Expire en flexion avant. Laisse les doigts marcher au sol. Allonge ton tronc, ton dos. Relâche le cou. Et viens peu à peu marcher les doigts pour dérouler ton corps. Vers Sukhasana, grande respiration ici. Positionne les doigts à l'arrière, donc le bout de tes doigts bien connecté au sol. Tes coudes qui se retournent, qui pivotent vers l'arrière de la pièce. Donc, comme si tu voulais venir repositionner tes omoplates l'une à côté de l'autre. Sur l'inspiration, soulève ton bassin. Le ventre, poitrine s'ouvre. Maintiens un cou neutre. Donc, le regard vers le plafond. Sur l'expiration, ramène fessier au sol. Relâche les doigts. Écarte ceux-ci devant toi. Viens refermer. Pousse à l'intérieur. Écarte les doigts de nouveau. Ferme les poings. Écarte de nouveau. Ferme les poings. Ramène les doigts au sol. Et squeeze tes coudes derrière. Inspire. Soulève ton tronc fessier. Et laisse la tête aller se reposer à l'arrière si cela est disponible. Tu peux également maintenir un regard neutre si ton corps fait faire aller vers cette variation. Pour sortir de la posture, inspire ici. Expire, abaisse fessier, laisse ta poitrine revenir. Cou et tête qui suivent peu à peu. Viens dégager les mains de nouveau. Écarte tes doigts, referme les poings. Encore deux fois. Bascule les mains au sol pour passer dans ta posture de table. Belle table neutre, mains sous épaules, genoux sous hanches. Squeeze les coudes vers l'intérieur, inspire, cambre le bas de ton dos, soulève le regard. Expire, arrondi. Inspire, appuie fermement dans tes dessus de pieds. Expire, regarde vers le nombril. Inspire de nouveau. Expire. Réunis tes genoux ensemble. Laisse tes fessiers se positionner sur tes talons. Tes mains à l'arrière de ton dos, à la hauteur de ton sacrum, doigts entrelacés. Inspire, viens. Soulever poitrine, tendre les bras comme si tu voulais que tes poings aillent rejoindre le tapis, la terre. Expire, sors de la posture, arrondis le dos, viens chercher mains genoux,
tête vers le sol. Déroule le corps. Dans un même mouvement, tu inspires, soulève poitrine et cœur. Expire, relâche. Arrondis le dos, front vers le sol. Dernière fois, inspire. Expire. Laisse ton front se déposer au sol. Bascule les hanches d'un côté et de l'autre. Laisse tes bras glisser le long de tes jambes. Paume vers le ciel. Dépose ici ton intention pour ta pratique. Une pratique à thématique d'ouverture de poitrine, de cœur. Donc, une belle intention à explorer serait l'ouverture. L'ouverture envers soi, envers ses sensations. Être à l'écoute de celles-ci tout au long de ta pratique. Les mains glissent le long de ton tapis pour aller vers l'avant. Appuie fermement dans celle-ci. Tends les bras, les doigts qui vont chercher loin vers l'avant. Les coudes sont soulevés. Et tu respires pleinement. Laisse tes fessiers se soulever. Tes coudes qui sont tournés vers l'intérieur, donc pointe à l'arrière de la pièce. Cambre le bas de ton dos, laisse ton menton et ta poitrine rejoindre le sol, tes jambes glissées. Positionne les coudes à l'avant de ton tapis, au sol. Coudes sous épaule, mains, paumes bien en contact avec le sol et tu appuies sur tes dessus de pieds à l'arrière. Appuie fermement dans tes coudes, tends tout ton tronc, rabaisse tes épaules, laisse ta poitrine se soulever vers l'avant de la pièce. Ferme les yeux ici, concentre-toi sur ton ressenti. Tes coudes actifs dans le sol, tes épaules qui sont basses, te permettent d'allonger ton dos, de ne pas t'écraser dans le bas de celui-ci. Connecte-toi sur tes émotions, sensations dans ton corps. Sens l'énergie de ton Anahata Chakra, ton cœur. Laisse l'empathie, l'amour, la compassion briller. Être présent, présente dans la pièce. Des émotions qui font partie de toi. Des émotions à laquelle nous faisons appel, auxquelles nous faisons appel de manière assez régulière depuis quelques semaines. Doucement, écarte les coudes, rabaisse front au sol. Main à la hauteur de la poitrine. Coude vers l'arrière de la pièce. Inspire. Appuie dans tes mains et genoux. Expire vers ton balasana. Soulève-toi de nouveau. Inspire ici. Expire. Reviens au sol. Appuie fermement dans tes mains. Cette fois-ci, coude à l'arrière vers un demi-cobra. Utilise l'appui de tes dessus de pied, de tes mains. Inspire, soulève tout simplement épaule, poitrine. Sois active dans tes bras, poitrine vers l'avant. Les os de tes hanches bien connectés au sol. Jambes bien connectées au sol. Expire et reviens.
On en fait un petit flow, donc trois répétitions de petit cobra. Inspire, soulève. Expire, reviens. Inspire, soulève. Expire. Dernière fois. Et laisse-toi fleurir vers ton cobra. Appuie fermement. Main dessus de pied. Bras toujours actifs. Soulève ta poitrine. Et reviens au sol. Appuie dans tes mains. Inspire. Vers Balasana. Soulève tes fessiers de nouveau. Implante orteils dans le sol. Positionne tes mains, ton Astabanda. Les coudes vers l'intérieur. Débute doucement en soulevant tes genoux. Inspire ici. Expire et bascule dans ton réinversé. Mains connectées, omoplate passe dans ton dos, nombril dans ta colonne. Travaille ici ton réinversé. Laisse les pieds, les talons se fondre vers ton tapis sur chaque expiration. Regarde entre les mains, marche les pieds vers une flexion avant, Uttanasana. Mains, rejoins tes coudes. Bascule un peu plus de poids sur tes orteils. Ici, viens dérouler ton calme. Bascule le poids un peu plus vers les talons. Et laisse tes bras se soulever et ta poitrine briller. Relâche ici les coudes. Viens chercher. Doigts entrelacés à la hauteur du sacrum. Pivote vers une flexion écart. Donc positionne tes orteils vers l'avant. Inspire, soulève, ouvre poitrine. Regarde vers le plafond. Micro-pliage de tes genoux. Expire vers ta flexion et vers avant. Légèrement les genoux. Inspire ici. Expire, déroule de nouveau. Inspire, soulève les bras. Rejoins main à coude et ouvre tes épaules ici. Ta poitrine qui brille vers l'avant. Relâche les mains que tu rejoins à la hauteur de ton sacrum. Inspire, soulève poitrine. Expire, déroule vers l'avant. Micro-pliage des genoux. Laisse tes mains se déposer vers le sol. Délace les doigts. Repositionne ta fondation, Padabandha. Donc, les pieds bien connectés, les jambes écartées un peu plus larges que tes hanches. Viens chercher main droite à cheville gauche. Inspire, soulève-toi vers une torsion. Imagine qu'on tire sur ta main qui est au plafond pour allonger ton tronc, pour t'aider à ouvrir ta poitrine vers le plafond, le soleil. Ramène la main qui va se positionner sur la cheville à l'opposé. Inspire, soulève. Nombril dans la colonne, allonge ton tronc. Imagine qu'on tire sur ta main. Hmm.
Viens chercher tes deux mains à la hauteur de ton sacrum dans ton bas dos. Inspire ici. Expire. Réexplore l'ouverture des épaules. Comme si tes poings voulaient aller basculer à l'arrière de ta tête au sol. Rabaisse les poings vers le sacrum. Les mains se déposent au sol. Savoure ta flexion ici. Peut-être balances-tu les fesses, les hanches de gauche à droite, les genoux qui se plient. Revient central. Viens chercher main à coude et déroulez ton corps. Micro-pliage des genoux. Inspire, soulève poitrine, coude. Laisse tes épaules s'ouvrir. Expire, relâche. Rétablis. Pas d'avant dans la formation de tes pieds. Main vers l'avant. Inspire ici. Expire. Viens tendre le dos vers l'avant. Regard qui se porte au sol. Inspire de nouveau. Expire dans un mouvement qui est tout doux. Expire. Et laisse ton corps se dérouler. On se reporte à l'avant de notre tapis, dans notre Tadasana. Roule les épaules très bas, à l'arrière. Et laisse simplement ta poitrine briller vers l'avant de la pièce. Ferme tes yeux. Peaufine ton alignement dans ce Tadasana. Donc la connexion de tes pieds, soulève les orteils au besoin. Réimplante les quatre points de tes pieds solides dans la terre. Rotules sont peut-être micro-soulevées pour un micro-engagement des quadriceps. Assure-toi de la neutralité de ton bassin. Allonge ta colonne. Poitrine ouverte, épaules sans tension. Mâchoire relâchée, visage relâché. Dans ton Tadasana, posture de la montagne, tu es simplement là, présent, présente. Tu offres ton cœur. Ton empathie, ta compassion, ton amour, tu les laisses briller partout autour de toi dans la pièce. Ouvre les yeux, inspire. Expire, plonge vers ta flexion avant. Savoure celle-ci, le temps de quelques secondes. Soulève ton regard, viens déposer le pied de ta jambe avant à l'arrière. Genou, dessus de pied qui se connecte. Ton genou de l'avant au-dessus de ta cheville. Rejoins les mains de nouveau à l'entour de ton sacrum. Nombril vers colonne. Allonge celle-ci. Inspire, laisse ta poitrine briller vers le ciel. Dans un Anjayasana rempli d'ouverture. Doigts se délancent, laisse tes bras dans un grand cercle, portez tes mains vers le sol, orteils se connectent derrière, ramène ton pied de l'avant à l'arrière vers un V inversé. Soulève ta jambe de l'arrière dans un chien trois jambes. Passe par le bout des orteils. Regarde entre tes mains. Inspire.
Expire, amène le pied entre tes mains. Et le deuxième pied, celui de l'avant. De l'arrière, pardon. Qui rejoint celui de l'avant. Flexion avant. Demi-lift, expire. Retrouve ta flexion pour venir dérouler tout ton corps en étant actif, active dans tes pieds. Tu expires. Expire et plonge de nouveau. Marche ta flexion. Tu savoures le temps de quelques secondes. Soulève mon regard. Bascule cette fois-ci le pied. La jambe de l'arrière. Avec pied à l'arrière. Genou. Dessus du pied. Se connecte. Soulève ton tronc. Inspire. Mains entrelacées. Expire, soulève ta poitrine. Appuie fermement dans ton talon à l'avant pour allonger ta colonne, ouvrir ta poitrine. Évite de t'affaisser dans le bas de ton dos. Laisse les mains se dégager dans un grand cercle de bras. Mains qui retrouvent le sol. Passe sur les orteils à l'arrière. Et ramène. La jambe des hanches au sol, vers ton V inversé. Et trois jambes. On va faire les deux orteils, inspire. Expire, ramène le pied à l'avant. Et le deuxième pied rejoint le premier. Flexion avant. Inspire, soulève tronc. Expire. Tout ton corps sur l'inspiration. Un joli mudra, mais j'ai mis devant le cœur. Rejoins les mains autour de ton sacrum. Inspire, soulève poitrine. Dans ton tronc, laisse ton cœur briller avec force vers le soleil, le sourire qui illumine ton visage. Bien. Vers le sol, maintiens les genoux pliés, laisse les bras briller vers l'arrière. Amène les mains vers le sacrum, les doigts qui se délapsent, positionne Hasta Bandha, la connexion de tes mains dans le sol, laisse les pieds marcher vers ton V inversé, chien tête en bas. Soulève la jambe de l'arrière, maintiens la hanche fermée. Inspire, passe par le bout des orteils, ramène le pied à l'avant. Connecte tes doigts, tes orteils à l'arrière. Dans ta grande fente, tu te soulèves. Et tu rejoins les deux mains autour du sacrum. Tends bien ta jambe à l'arrière. Inspire, soulève poitrine ici. Laisse les doigts se délacer dans un grand cercle, tes mains rejoignent le sol, retrouve ton V inversé. La jambe de l'avant qui se soulève, hanche fermée, tu inspires. Amène le pied à l'avant. Connexion doigt, orteil à l'arrière, tends toute ta jambe. Appuie fermement dans ton talon. Inspire, grande fente. Les mains qui se rejoignent. Inspire de nouveau. Ouvre poitrine.
Tends bien la jambe en arrière. Tends ton tronc. Sois présent, présente dans ta posture. Honore-la. Délace les doigts dans un grand cercle de bras. Tes mains retrouvent la terre. Tu transitionnes vers ton chien tête en bas. Regarde entre tes mains, plie les genoux, marche les pieds. Flexion avant, expire. Et déroule tout ton corps ici. Tadasana. Rétablis ton Padal Bandha, fondation de tes pieds. Viens positionner les mains dans ton bas de dos. Donc mes pouces vers le côté de ma taille, de chaque côté. Et je viens squeezer mes coudes ensemble à l'arrière. Donc je supporte mon bas de dos. Je regarde au sol. Nombril vers colonne, j'allonge celle-ci. Mon regard se porte à l'avant. J'inspire ici. J'expire, j'appuie fermement dans mes mains, dans le bas de mon dos pour laisser le haut de mon dos en expansion. Mon regard neutre vers le plafond. Sur l'expiration, ramène peu à peu, tronc poitrine, tête et cou suivent. Grand cercle d'épaule, inspire. Expire. Reprends ta posture. Mains dans le bas de ton dos. Squeeze les coudes. Inspire, allonge. Expire. Laisse la poitrine briller vers le ciel. Ne t'écrase pas dans ton bas de dos. Allonge. Tronc, le dos. Tu brilles dans cette extension. Sur l'expiration, ramène les hanches vers l'arrière, poitrine devant, tête et cou qui suivent. Inspire, grand cercle d'épaule. Et expire. On réexplore une légère extension de dos. Donc on inspire, on soulève les mains que l'on réunit. Ensemble, donc mes pouces un par-dessus l'autre et mes index qui pointent vers le sommet. Donc j'utilise ce mudra pour penser, pour me focusser à venir étirer tout mon corps d'abord et avant tout vers le sommet avant de basculer en légère extension du dos. Et de revenir à l'avant. Je réexplore cette extension dans un flot. Inspire, hop. Expire, allonge ton tronc. Vers ton extension et tu reviens. Suis les mains du regard. Flexion avant, relâche le cou. Maya tibia, inspire, soulève tronc. Expire, repasse par ta flexion. Bascule les deux pieds en arrière pour rejoindre une planche. Alignement de tes mains, de tes épaules. Nombril est vers colonne, tu es engagé dans cette planche. Dépose les genoux au sol, les dessus de pieds. Garde les coudes devant ton tronc, laisse-toi glisser jusqu'au sol. Squeeze les coudes le long de ton tronc, appuie fermement dans tes mains, tes dessus de pieds. Inspire, cobra. Sois active dans celui-ci. Rabaisse les épaules, garde les coudes pliés. Ta poitrine qui brille à l'avant. Plante tes orteils ici dans le sol, soulève tes fessiers, transitionne. Vers ton chien tête en bas. Retrouve ta planche de nouveau. Nombril dans colonne. Genoux dessus de pied se dépose.
Expire vers le sol. Inspire de nouveau. Cobra. Bascule sur les orteils. Soulève les fessiers. Chien tête en bas. Dans ta planche une dernière fois. Genou. Dessus de pied, tu expires. Retrouve le sol. Inspire, cobra. Écoute le long de ton tronc. Bascule sur tes orteils. Vers chien tête en bas. Dépose les genoux au sol. Et croisez les jambes derrière toi pour te repositionner dans ton Shukasana. Posture assise. Attends une grande respiration. Connecte les doigts dernière fois. Les coudes sont vers l'arrière. Tu inspires, soulève de nouveau. Ouverture poitrine. Et tu maintiens. Tu savoures pleinement. Rabaisse fessiers, poitrine qui se reporte vers l'avant, cou et tête qui suivent. Connecte tes pieds dans le sol, vers ta table inversée. Donc maintiens toujours tes coudes à l'arrière. Tu inspires, soulève fessiers, laisse ta poitrine s'ouvrir. Peut-être que la tête a envie de basculer à l'arrière. Appuie fermement dans tes mains. Évite de t'affaisser. Tu te soulèves. Au contraire. Nombril vers colonne. Sur l'expiration, ramène les fessiers. La poitrine revient vers l'avant. Viens chercher. Main à genoux. Tends ton tronc. Relâche le cou ici. Amène les mains à l'arrière, toujours vers ta table inversée. Coude squeezé. Inspire, soulève fessier, nombre de colonne, appuie dans tes mains. Laisse tout ton corps se soulever vers le ciel. Peut-être t'as tes coups relâchés. Appuie fermement dans tes pieds, dans tes mains. Sur l'expiration, ramène le fessier au sol. Regarde qui revient vers l'avant. Les jambes qui se tendent. Laisse tes coudes aller vers le sol. Vers une posture allongée. Soulève ton pied de l'avant. Roule la hanche pour venir déposer ta main sous ton fessier. Même chose de l'autre côté. Donc, mes deux bras bien connectés dans le sol. J'ouvre ma poitrine, mes épaules pour assurer une bonne base de mes coudes dans le sol, dans mon tapis. Viens tendre les jambes orteils flex. Donc, elles pointent vers le plafond. Respire ici. Laisse ton corps apprivoiser peu à peu cette posture du poisson que nous explorerons. Ici, tu inspires, tu appuies fermement dans tes coudes, tu soulèves ta poitrine pour déposer le dessus de ta tête. Donc ici, le poids est réparti entre mes mains, mes coudes et à peine de poids sur le dessus de ma tête. J'appuie fermement dans mes coudes pour laisser ma poitrine et mon cœur briller en toute beauté, lumière vers le ciel. Mes orteils qui peuvent trouver une posture neutre. On bascule légèrement vers l'avant.
sur l'expiration. Je laisse mes coudes se dégager. Je ramène un dos neutre et je dégage mes mains vers Apanasana. Appuie sur tes genoux. Je viens ici pivoter, me retourner sur mon tapis pour retrouver une posture couchée sur le banc. Mes os de hanche bien connectés dans mon tapis. Je maintiens mes bras cactus, donc des angles de 90 degrés. Mon nez touche à mon tapis. J'appuie fermement dans mes dessus de pieds. Ici, j'inspire et je soulève ma poitrine. J'expire, je retrouve le sol. J'inspire, je soulève. J'expire, je retrouve le sol. Dernière fois. Appuie fermement dans tes dessus de pied. Essaie de soulever encore plus haut ta tête. Et reviens doucement. Positionne ton front dans le sol. Appuie fermement dans tes mains. Ici, inspire. Et viens soulever tes jambes. Squeeze les pieds ensemble, les gros orteils qui se touchent. Et rabaisse au sol. Inspire, soulève. Expire, rabaisse. Dernière fois. On vient combiner ces deux mouvements. Donc, on soulève et la poitrine et les jambes. Inspiration, soulève. Squeeze les gros orteils ensemble. Tends toutes tes jambes. Laisse ta poitrine briller vers l'avant. Évite de t'écraser dans ton bas dos. Donc, ton corps, ton tronc est actif vers l'avant. Expire, reviens. Encore une fois, inspire. Expire, reviens. Dernière fois, inspire. Expire, reviens. Je peux reprendre ce même exercice ou si mon corps en a envie. Évoluer vers la posture de l'arc. Donc, je viens prendre mes chevilles, m'assurer que mes jambes n'ouvrent pas plus large que mes hanches. J'inspire, je soulève poitrine et genoux. Même principe que ma posture précédente. Mes omoplates, mes épaules sont basses. Mes os de hanches hyper connectés. Mes genoux que j'essaie de garder ensemble. J'expire et je reviens. Relâchez. Main à ta poitrine. Presse dans tes mains, dans tes genoux pour te soulever vers Balasana. Et te ressoulever. Genoux pliés. Déroulez ton corps. Un beau bassin neutre. En exploration de notre extension de dos. On a déjà fait plus tôt dans le cours posture debout. Avec main dans le bas dos. Donc, je réexplore cette même posture, mais cette fois-ci sur les genoux. Donc, même principe, je veux que ma poitrine brille vers le ciel et non simplement basculer les hanches de l'avant et venir m'écraser dans mon bas dos. Donc, j'engage ici mes genoux, mes dessus de pied dans le sol. Je viens squeeze et serrer les coudes à l'arrière. Laissez ma poitrine briller. J'inspire. Je expire. Légère extension de mon dos. Sur l'expiration, je reviens doucement. Je peux arrondir le dos, rabaisser mes fessiers vers le sol et je reprends. Autre exercice possible dans cette posture, un demi-chameau. Donc, je viens chercher l'arrière de mes talons. Je peux m'aider en basculant
mes pieds sur les orteils, donc mon point d'appui sera un peu plus haut. Je viens chercher l'arrière de mon talon et je laisse ma poitrine se soulever vers le ciel. Doucement, nombril vers colonne de l'autre côté. J'inspire. J'expire vers mon demi-chaman. J'évite de m'affaisser dans mon bas dos. On fait attention à nos vertèbres lombaires. Donc j'appuie activement dans ma main qui est sur mon talon. Et je laisse ma deuxième main briller vers le ciel. M'aider à soulever ma poitrine. Doucement, je rabaisse mes fessiers, j'arrondis le dos. Je reviens dans la posture de départ. Positionne les mains dans ton bras dos. Allonge ton tronc, inspire. Expire, appuie dans tes dessus de pied. Légère extension de ton dos. Sur l'expiration, ramène fessiers vers l'arrière, contracte nombril dans le col. Respiration ici. Expire, mais Ankla Mudra, fessiers qui se rabaissent. Vers un balasana restauratif. Je viens chercher l'arrière de mes talons et mon front qui se dépose au sol. Laisse tes bras glisser vers l'avant, tes doigts marcher sur ton tapis. Soulève-toi, croise les jambes derrière, marche les mains. Viens retrouver ton Sukhasana, allonge ta colonne ici. Connecte tes fessiers, relâche le cou. Pour venir tendre les jambes de nouveau, à l'avant, basculer tes fessiers. Connectez les coudes et on transitionne de nouveau vers notre poisson. Je laisse le haut de mon dos basculer au sol. Je viens positionner un bras sous une fesse, l'autre bras. Ma poitrine automatiquement s'ouvre, mes mains sont au sol, mes pouces se touchent. Allonge les jambes. Vers le plafond pour débuter. Inspire ici. Expire, appuie fermement dans tes coudes. Le dessus de ta tête se dépose. Mains, coudes, actifs dans le sol. Tu as à peine de poids sur le dessus de ta tête. Celle-ci ne fait qu'effleurer le tapis. Doucement, laisse la tête se dégager, les bras vers Apanasana. Je viens ici rouler de chaque côté. Donc on a eu des extensions de dos, beaucoup d'ouverture de poitrine. On vient dans un automassage. Relâchez les tensions. Reviens au sol. Apporte un roulement du bas du dos. Retrouve ton Apanasana. Appuie sur tes genoux. Cette contre-posture, approfondis-la. Sur chaque expiration, appuie un peu plus sur tes genoux. Donc tu inspires, soulève. Expire, approfondis. Inspire, soulève. Expire, approfondis.
jambe au sol. La deuxième jambe. Te déposer dans ton Shavasana. Donc ici, si tu en ressens le besoin, tu peux poursuivre avec des postures automassantes. Apanasana, Happy Baby, Ananda Balasana. Un simple Balasana. Donc les postures effectuées aujourd'hui ont sollicité d'importantes ouvertures et des petites extensions. Il est important d'être à l'écoute de ton corps et de lui fournir, de l'engager dans des postures qui te font du bien, qui viennent relâcher les tensions. Donc avant ton Shavasana, tu peux également mettre sur pause, effectuer ces quelques postures avant de venir te redéposer dans ton Shavasana. Asana restauratif, je viens me reconnecter à mon intention. Je fais appel à un mantra, donc une intention d'ouverture. Comme mantra, j'imagine une fleur qui s'ouvre au printemps. Femme à l'automne. J'imagine ce cycle de vie, je le visualise. Lorsque la fleur s'ouvre, je vois le mot inspire qui s'inscrit dans le ciel. Et lorsqu'elle ferme, je vois le mot expire. Au cycle de la vie. Je visualise cette énergie. Je la ressens dans mes orteils. Dans mes doigts, dans mon cœur. Je replie mes genoux sur mon ventre. Je retrouve mon Apanasana. Je me laisse bercer d'un côté vers l'autre. Je connecte mes pieds dans le sol. J'ouvre mes bras paumes vers le ciel. Je laisse mes genoux se rabaisser. Visualise toujours mon mantra. Je le laisse fleurir, générer de l'énergie en moi, autour de moi. Les genoux qui se soulèvent, je bascule de l'autre côté. Mes épaules connectées au sol.
en flexion. Soulève ta tête et cou. Initie un léger roulement qui devient de plus en plus grand pour retrouver une posture assise. Mains à genoux, je tends mon tronc. Et je me positionne. Posture accroupie sur le dessus de mes orteils. Nombril est en colonne, mon cou est relâché. Et le plus lentement possible, j'inspire et je déroule mon corps. Je laisse mes talons se déposer. Je savoure cette connexion ici. Mes doigts qui décollent peu à peu du sol. Mes mains glissent doucement sur mes jambes. C'est un massage étape par étape. Avec ma colonne, mes vertèbres qui se déroulent peu à peu. Mon nombril qui s'engage vers ma colonne. Jusqu'au bout de mes vertèbres cervicales. Et je viens dans un Tadasana. Laissez ma poitrine briller. Ferme mes yeux. J'imagine les chauds rayons du soleil qui caressent mon visage. Je visualise l'énergie, l'échange d'énergie entre le soleil et mon corps, mon prana, connexion, énergie solaire, ma propre énergie. Ouvre les yeux. Ici, j'inspire. Soulève les bras. Cactus, cambre le bas de ton dos. Et déroule ton corps vers le sol avant de te ressoulever dans ce flot. Inspire. Dernière fois. Poser dans une flexion, tes pieds s'écartent largeur des hanches. Passe ton poids de gauche à droite, les genoux qui se plient. Laisse ton corps monter, tes doigts se détachent de ton tapis. Et tu te balances d'un côté et de l'autre en déroulant ton corps. Donc tout ce qui te fait du bien après cette pratique, lente, mais quand même intense. Ouverture de poitrine combinée à des extensions de dos. Tout est bon. Tout est fait du bien. Il suffit d'être à l'écoute de ton corps et de compléter ta pratique d'aujourd'hui avec des postures restauratives qui te font du bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec moi en énergie dans le moment. Et namasté.